Oh non, la décharge publique. Ok. Alors, Antonio, oui, c'était Antonio, le sportif. Ouais. Ok, petit SSD. Ça tourne bien. C'est propre. Eh ben, merci, Aguirre, pour ces 4 subgifs, c'est gentil. Merci, Aguirre. Oh non! Bonjour à tous, chers résidents de Lille! En ce mardi 9 novembre 2021, il est actuellement 13h38 sur notre belle pistil. Tout de suite, les annonces du jour! Ah, tout d'abord, les arrêtés! J'ai l'honneur de vous annoncer que des arrêtés peuvent être désormais promulgués ici à Pistil! Les arrêtés sont un excellent moyen d'améliorer la vie quotidienne de tous les résidents. Ces arrêtés doivent bien entendu être instaurés en considérant les besoins de tout le monde! C'est pourquoi notre délégué Pompon les gérera à Pistil. Attends. Putain, j'ai déjà un truc à faire. Pompon, si vous m'entendez, j'ai hâte de voir ce que vous allez changer. Mais je ne vais rien changer du tout, putain. Et si vous avez des questions sur les arrêtés, n'hésitez pas à venir me voir au bureau des résidents. Sans transition, j'aimerais vous parler d'une nouvelle excursion qui vous sera offerte. À partir d'aujourd'hui, les résidents peuvent faire des tours en bateau pour se rendre sur des îles désertes. Ces excursions en mer sont un peu différentes de celles offertes à l'aéroport. Car une fois à bord, vous pourrez profiter de la brise océanique pendant toute la durée du trajet. Il existe d'innombrables îles aux alentours sur lesquelles on ne peut se rendre qu'en bateau. Et il paraît qu'on y trouve plein de matériaux de bricolage et de choses étranges enterrées un peu partout. Tout cela est bien mystérieux, non? Vous pouvez faire un tour en bateau par jour en échange de miles? Si vous êtes intéressé, rendez-vous au ponton de l'île et adressez-vous au capitaine du bateau. C'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien sur notre île paradis. Sur notre île. Merci Marie. Le DLC, c'est un jeu en plus. Je crois. Alors. Ok, petite soirée SM, c'est rien. Non mais, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu du tout. Attendez, une seconde. Une seconde. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des cafards, mais tu m'étonnes. Attends, mais comment je chope ce cafard là? Ah merde! Ça fait tellement longtemps! Ah, je vais me changer ici. Attends, mais j'ai pas une baguette pour me changer? Ah! Voilà. Ah! Ah! C'est quoi sur ma gueule? Salut, c'est Bobo. J'ai envie de venir jouer avec toi. Je suis désolé, c'est sale chez moi. Youpi, dis, je peux me balader un peu dans toute ta maison? C'est dégueulasse, ici. Bébert, c'est très sale ici, Bébert. Mais viens, viens, viens. Non, pas là. Non, pas là. Si, là, c'est bon. Si, c'est bon. Viens. Si, viens. Attends. Je vais pas tarder à y aller. Tu dois avoir des trucs à faire. Les insectes doivent m'atteindre, Plumeau. Mais attends, mais Bébert, tu viens d'arriver. Mais reste encore un peu. Tu es sûr? Ah oui. Ok, je vais rester encore un peu. J'aime bien comment ça sent ici. T'aimes bien comment ça sent? Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment comment ça sent ici. Mais allons-y.
Eh, Bébert, si t'avais vu l'odeur The Event, je pense que ça t'aurait trop plu, mec. Comment je peux changer... Attendez, comment je peux changer ma tête? C'est quoi ce bordel? J'ai un... Mais... Je fais peur, là. Il me faut un miroir. Où est-ce qu'il y a des foutus miroirs? Il y a des miroirs chez moi? Y a des... Oui. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes quand même, messieurs dames. Pompon qui vous sert le kawa, c'est une classique. N'hésitez pas dans le chat si jamais vous voulez un café. Je fais les cafés. Je vous sers. Bébert, je t'en fais un aussi. Tu dois bien aimer la cuisine. Mais tu as une machine à café? Parce que moi, j'adore manger. Si jamais tu as besoin d'un goûteur professionnel, je suis là pour ça. Non, t'inquiète, je fais des cafés. Je lance des kawa. Dites-moi sucre, sans sucre. Dites-moi, j'en lance masse, là. C'est quoi cet accent, s'il vous plaît? Bah, c'est l'accent de Bébert, personne sait trop. On n'a jamais trop su, hein, l'accent de Bébert, vous savez, c'est pas... On sait pas, hein. J'envoie. On ne juge pas, s'il vous plaît. Non, on ne juge pas, parce que vous allez voir que... Chacun a sa personnalité vocale. T'as pas le DLC, by the way, Ponce. Ouais, mais le DLC, c'est un jeu en plus. En fait, je l'ai, le DLC, mais je l'ai pas de DL, ouais. Mais c'est un jeu en plus, je crois, c'est ça? Hop, j'en reprends. Bon bah voilà, tout le monde est servi, un petit dernier et c'est bon. C'est un peu ça, ok. Hop. Hop, messieurs, dames. Tous les cafés sont servis. Bon, maintenant, il faut trouver des miroirs. Hein. Hop. Hop, le turn, hop. Et hop. C'est parti. DLC payant. DLC payant... Mais attends, mais il avait arrêté de faire de la méthamphétamine et des tests sur les gens... Chelou. Bizarre quand même. Mais personne a mis de miroir ici, mais qui a décoré cette merde? Ah, ma petite salle musique, bien sûr. Vous voulez voir Pompon qui déchire, vraiment? Et s'il peut, hein. Ok. Et ben voilà, c'est Pompon. C'est Pompon à la... À la batte, quoi. C'est Pompon à la batte.
Ok. Petite salle musique. Trop drôle, putain. On ne redécore pas sa maison quand on a de la visite, voyons. Oh putain. Où est-ce que je peux trouver ce foutu miroir du coup? Du coup, c'est ça la question. Ah, mais il est encore là, c'est vrai. Bon, Bébert, on fait quoi? Ça bouge ou on aura. Peut-être que j'ai un miroir là. Au pire, je suis maquillé comme ça, c'est pas grave, hein. Non, mais je pense que je trouverai un miroir ailleurs. Bon, il va être l'heure que je rentre. Merci de m'avoir réussi, Plumeau. Bah, avec plaisir, mec. Ok, bon, bah, bouge. Super. Bon, je vais voir dans mon inventaire. Attends, c'est où l'inventaire de la maison déjà? C'est ça. Poche. Non. C'est ça. Et donc mobilier. N'hésitez pas si vous avez des piles de pneus à me les envoyer, c'est pour un projet. Pour la ref. Déco murale. Sol. Ah, c'est un miroir ça. Miroir, super. Oh, top. Veux-tu changer de tête? Oui. Bah, pompon, quoi. Il est beau comme un cœur, le pompon, là. Il est beau. Et c'est pompon! Et voilà! Il est là, il est content. Il est juste content, pompon. Ouais. Les yeux à zèle, tout est propre. Il est de retour! Salut. C'est moi. Salut. Un petit kawa. Et on y va. Bienvenue chez moi. Bon, allez, on se casse. On se casse. Petit feu, petite boule. Ah, on peut pas passer. Salut à tous, c'est Pompon. Je suis très étonné de vous voir ici, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça met un peu mal à l'aise, mais je suis quand même content. Vive les fleurs. Ok. Oh, ça fait si longtemps. Attendez, mais pourquoi j'ai autant de trucs sur moi là? On va virer toutes ces merdes. Attends, j'arrive, bouge pas. Tu as le DLC. Mais attendez, parce que vous êtes plein à me dire t'as pas le DLC. En fait, le DLC, je l'ai juste pas téléchargé. Mais juste, vu que le DLC, c'est un autre jeu. Là, si je veux découvrir la mage 2.0, j'ai pas besoin du DLC, on s'en fout, non? Vous voyez ce que je veux dire? Merde. Merde. Parce que je m'en fous, moi, je veux pas faire du DLC, je veux juste jouer à mon jeu normal. Putain, je fais nimp. Catastrophe, là. Entreposer. L'eau de bonbon Halloween, entreposer. Combi de plongée, je garde. La robe de Jaco, entreposer. La si... Oh, ça me dégoûte. Ok. Non. Entreposer. Ouais. J'avais oublié le bruit des me... Non! Qu'est-ce que j'ai? J'ai entreposé. Bon bah, ouais, écoutez, comme ça quand quelqu'un vient, il a des chaussures. J'avais oublié le son satisfaisant des menus.
c'est bon, t'as la mage, ponce, t'inquiète, il y a pas mal de trucs à faire et à découvrir rien qu'avec la mage, tu verras le DLC plus tard. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que je me suis dit aussi. Après, le DLC, c'est de la déco. Et bon, bah, j'ai pas besoin de vous dire grand-chose quand vous regardez mon chez-moi pour vous dire que... Enfin, voilà, je pense que... Voilà. Voilà. Un cristal d'amour. Masque de plongée, peut-être garder ça. Oui, c'est comme ça, ok. Par contre, ok, c'est le bordel chez moi, mais vous allez voir l'île. Elle est vraiment... Là, vous allez pas être déçus, c'est moi qui vous le dis. Ouais. Le cafard MDR. Ouais, mais les cafards, on les laisse. Les cafards ont le droit d'être là, quand même. Quand même. Est-ce que vous avez capté la musique ? Est-ce que vous avez capté la musique ou pas ? Qu'on a composé en live quand même. Regarde, écoutez bien ça. Voilà. Voilà. D'ailleurs, c'était un plan foireux avec la Valérie D'Amido. Mais Valérie D'Amido, elle m'a jamais répondu. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles de Val. Après, elle a eu sa Switch pendant la pénurie. GG, elle, on a rien pu faire. Hein. Comment il va, Henri ? Comment il va ? Waouh, mais c'est bien toi, Pompon. Ça fait combien de temps ? Un an ? Bah c'est fou, comme le temps passe. Et prépare-toi à des changements parce qu'on n'a pas chômé sur l'île entre-temps. Et par exemple, je songe à changer de coupe de cheveux. Bon, d'accord, il n'y a rien à changer. Bienvenue à la maison, Pustule. La maison, c'est Pistil. C'est pas Pustule. Il est con. Oh. Hop là. On lance le petit jouet de Faustine qu'elle m'a donné. Cringe. Ok. Maintenant. Alors, je sais comment on pêche déjà. Maintenant. Oh là là, le bar commun ! Oh, ça faisait tellement longtemps, ça te sent ça, ce naze, ou t'es juste déçu ? Let's go ! Ah oui, putain, j'ai pas checké mon courrier, attendez. C'est mon jardin, bro. Henri. C'est mon jardin, bro. Un monarque. Je l'avais déjà, je crois. Il y avait un cadeau ? Il est où ? Un cadeau dans le fond. Au fond... Oh ! Comment on fait déjà ? On prend ça, ça, on équipe, bim, je me turn, 360 de nos scopes, pompon, boum. Win. Qu'est-ce qu'il faut ? Mais c'est quoi ? Cinq mille balles ! Ok, Benef. Merde, pardon. Eh, attendez, peut-être que je... En fait, vu que j'ai jamais joué à cette période beaucoup, je me demande si je vais pas choper des choses que j'ai jamais eues. Par exemple, regardez ça. Hop. Chut. Boum. Bon, je crois que j'ai déjà eu un. Bon, c'est pas fou. Un chinchard 100%. Oh ! Attendez, le courrier. Est-ce que des gens m'ont contacté récemment ?
Ultia ? Maman ? Est-ce que tu te souviens du jour de notre rencontre ? Bien sûr que non, je suis bête. C'était très exactement à cette date. Les années passent, mais je me lasse pas de célébrer ce jour béni. Joyeux anniversaire ! Merci, maman. La banque ? Oh non. La banque Nook est heureuse de veiller sur ton épargne. Merci pour ce témoignage de confiance. Nous avons le plaisir de créditer sur ton compte à titre d'intérêt mensuel la somme de 1000 balles. À propos de chez Pompon, point 28 000, rang B. Conseil déco, essaie de rassembler des meubles de même couleur, cela renforcera l'élégance et l'harmonie de ta déco. Bah quoi ? Un an déjà que tu as souscrit à la formule évasion, il déserte, que le temps passe vite. Pour fêter ça, voici un gâteau. Merci. Joe. Hey yo, Pompon. Comment se passe la vie insulaire ? Moi, tranquille, nickel. Par contre, il y a un truc dont je voulais te causer. Viens faire un tour sur l'île de Joe. Je t'attends. Ultia, mais elle m'envoie quoi ? Cher Pompon, lave-toi, tu pues. Ça va faire un an que tu portes ce yukata. Haine ou discrimination. Bon. C'est pas grave. Cher Pompon, tous les frais de déplacement et de rénovation à l'extérieur de ta maison étaient réduits. Pour en savoir plus, adresse-toi au guichet de consultation de construction au bureau des résidents. Ok. Alors, bon, pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc ici, vous avez le musée. Mais pourquoi il y a autant de meubles ? C'est pas moi, hein. Là, vous avez le nain nazi. Faire très très gaffe à ce genre de personnes, c'est un peu gênant. Je sais pas qui a foutu ça. Là, vous avez... Ah bah, il est là. Oh. Tiens, t'as jamais dit que tu ressemblais à Pompon, mais c'est toi. Mais attends, non, mais c'est vraiment toi. C'est une vanne ou quoi ? La prochaine fois que tu pars en stage de muscu top secret, tu m'oublies pas, pigé ? Ouais, même si j'en ai pas vraiment besoin. Admire mes abdos, mes bibis et voilà. On comparera nos muscles plus tard. L'important, c'est de te souhaiter un bon retour ici, Pompon. Quoi ? J'ai gagné un truc ? Ah oui ? Parlez aux voisins. Let's go. Bénef. Bénef. Et les cadeaux. Oui, c'est vrai, les cadeaux. Gâteau fait par maman, ok. Sous cloche. Gâteau du premier... Ok, sous cloche. Un lampion. Alors, faut savoir Antonio, pour ceux qui connaissent pas du tout Antonio, c'était le premier habitant de mon île. Antonio, en fait, à la base, c'est un mec qui a aucune confiance en lui. Quand je vous dis aucune confiance en lui, c'est une catastrophe. On a dû beaucoup lui parler et lui faire comprendre que ça va, etc. etc. Antonio manque de confiance en lui, mais vraiment intense. Et en fait, il s'est mis au sport. Et depuis qu'il s'est mis au sport, genre, il se sent plus pissé. Mais vraiment, on sait pas pourquoi. Le mec juste se sent plus pissé, il s'est mis au sport, on sait pas ce qu'il veut, il est chelou. Regardez-le, voilà, il a mis des lunettes avant, il portait pas de lunettes. C'est pas... C'est réel. Ah non, non, mais c'est réel, hein. Je vous jure, c'est réel. Yo, ravi de te rencontrer, moi je m'appelle Antonio, ma passion c'est la muscu. Mais je crois que ça saute aux yeux étant donné la taille de mes biceps. Attends, mais on se connaît, non ? Mais oui ! Ah mais oui, mais c'est... Ah mais c'est Pompon ! Ah mais attends, mais tu deviens quoi ? Mais attends ! Comment va le banc d'entraînement ? Oh, tu m'as manqué, petit gars, poète ! Eh, hey, t'amuses pas à filer à nouveau comme ça ou préviens-moi ? À moins que je te poursuive, ça fera une course.
Vous avez capté le personnage. Vous avez capté le personnage. Par contre... c'est qui? Comment il s'appelle déjà, lui? Il veut mes insectes? Mais regardez, Antonio, il s'arrête jamais, gros. Il s'arrête jamais. Ah oui, Jason, c'est ça, Jason, qui achète mes insectes. Bon, là, on est dans la partie moche de l'île, mais vous allez voir, après, c'est vraiment... c'est vraiment beaucoup... Mais quoi? Mais c'est quoi cette merde? Le jeu de la loterie, messieurs, dames, venez jouer, venez jouer. Si je tombe sur 8, j'offre 5 subs. Truc de fou. Un sac de 1000 balles. C'est quoi le maximum qu'on peut mettre dedans? C'est 1000 ou 10 000 déjà? Je m'en rappelle plus. C'est ça. Oh, ils sont des clins d'œil. Attendez-moi. Attends. Oh non. Oh non, il parle. Oh, je suis trop timide. Henri et Faustine qui parlent. T'imagines si là, Henri, il dit à... Si Henri, il dit à Faustine qu'il m'a vu. Elle va me démarrer, Faustine. Elle va me démarrer. Caché. Putain, mais attends, mais il parle combien de temps? Ok. Ok. Elle a l'air contente. Et là, je débarque. Non, mais ça y est, je deviens dingo, j'ai des visions ou quoi? C'est le slow que je vois juste en face de moi, c'est quoi ce bordel? Mais alors, mais attends, quoi, c'est pas de l'hallucination à la petite semaine, là, limite, je pourrais le toucher, quoi, le gars, en fait. Dommage que ce soit qu'une vision, j'aurais bien serré la paluche, quoi, il manque, c'est charmé, gros. C'est charmé de ouf. Non, mais c'est moi, Faustine. Non, elle est sérieuse. Mais t'es sérieux? Mais non, mais c'est vraiment moi. Waouh, ce qu'elle me met. Oh, putain. Oh, c'est... Là, c'est chaud. Vas-y, je fais que... Vas-y, je fais... On fait genre, on est vraiment une alu. On va ramasser ces thunes, parce qu'il y a quand même... Excusez-moi de revenir dessus, mais il y a quand même des thunes dans des arbres depuis tout à l'heure. Tout le monde en a rien à foutre. Hein. Jamais vu ça. Bon. Vous en faites pas, on va l'approcher plus tard. Alors là, c'est la place principale de mon village. Avec ici un... Les fleurs. Avec ici un... Pour boire le café, le magasin. Et là... Ah non, pas là. Voilà. Je vais vous montrer le quartier zen. Pour ceux qui connaissent pas du tout, bien sûr. Attends. Attendez. C'est l'alcoolique, non, je crois. C'est un peu triste, mais en gros, il est. En fait, c'est un ancien. Alors, c'est compliqué. C'est un ancien SDF qui a trouvé refuge à Pistil et c'est très cool. Mais il reste quand même assez. Ouais, il est encore dans ses délires parfois. Attention, hein, faut faire très très gaffe.
Eh tiens, te revoilà, Pompon. Et ça fait quoi? Un an qu'on t'a plus revu? Il paraît que t'étais en cavale après d'être associé à des malfrats et commis un casse sur une autre île. T'as du cran, hein, de te repointer ici, c'est vrai. Hein. Et j'espère pour toi que t'as décidé de te ranger, hein. Comme moi. Voilà. Regardez-le. Il est énorme. 8 morts, 6 blessés, Octave. Alors, ici, c'est le quartier zen. Tu rentres et t'es chill, quoi. Il y a Faustine, putain. La coprozène, exactement. C'est la coprozène, telle qu'on l'appelle. Regardez-moi cette belle coprozène. C'est une belle coprozène. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre des fleurs, des jacinthes rouges là pour les offrir à Faustine. Pour lui montrer que je suis réel, ok? Et aussi, il faudra qu'on fasse l'expédition sur la nouvelle île. Merde. Pardon, mais elle est un peu éclatée, l'île. Mon île ! Enfin, mon île, c'est pas à moi, hein, mais cette île, ouais, ouais, elle est... Enfin, elle est éclatée. Ah putain, c'est vrai que maintenant, il y a le bateau. Ah, c'est chez Beb. Beber, c'est le gardien du phare. En gros, il se met là et il surveille le phare. Et en fait, il a jamais compris que le but, c'était pas surveiller le phare, mais c'était justement surveiller la mer, plutôt, depuis le phare. Lui, en fait, il a pas compris, il surveille le phare. Voilà. Bon. Bah, au moins, on est sûr qu'il y aura pas de souci avec le phare. Écoutez, c'est déjà ça. C'est une belle personne, hein, Beb. Hop les. Merci Nico pour ce prime. Merci à toutes et tous pour le soutien auprès de Pompon. Hop là. Chinchard. Ah mais à cette période de l'année, il peut y avoir beaucoup de choses que j'ai jamais eues. C'est un chinchard encore ça, non? Skionard, bientôt les 2 ans en T2, merci beaucoup. Boum, chinchard. Ok. Ça, c'est des fossiles. Oh, oh, c'est quoi cet insecte? Attends, j'ai une... Merde, comment ça marche? J'ai pas cet insecte, si. Oh, mais c'est des champignons, ça aussi, que j'ai pas. C'est quoi, ça? Incroyable, je les ai pas non plus. Menthe orchidée. En voilà un nom fleuri. Ça me plaît. Ça me plaît tout à fait. Alors, ok, bon, je crois que je vais être obligé de parler de cet endroit parce que d'un moment, je peux pas cacher à tout le monde ce qui est en train de se passer. En gros, mon objectif... Alors bon, faut savoir que moi, en termes d'aménagement, décoration et tout, je pue la merde. Et là, mon objectif, c'était de faire un circuit Mario Kart. Merci Solzy pour l'amener. Merci beaucoup. C'était de faire un circuit Mario Kart. Donc en fait, j'avais dégagé toute une zone pour faire un circuit qui avait commencé, hein. En vrai, regardez. Donc là, on a le début, par exemple, on fait une course. On commence ici. Et go, tu vois. Et go. Après, à toi de choisir si tu veux passer là, 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 peut-être là, tu vois.
hop. Le premier qui pêche le poisson, il a le droit de passer, hop. Boum. Putain. Ah, il a vu. Une carpe. Bon, pour le moment, j'ai pêché que de la merde. Et voilà. Et fin du circuit, en fait. Hein, d'ailleurs, par contre, c'est une fin de circuit ici. C'est une fin de circuit, mais non. Parce que regardez. Hop là, et ça continue ici. C'est une fin de circuit. Voilà. Mais le truc, c'est que je suis pas assez chaud pour faire un truc bien, quoi. Après, tu peux aussi passer par ce qu'on appelle la safe way, qui est ici. Hop, 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 hop. Il faut s'asseoir. Voilà, hop, turn, hop, se relever. Pareil ici, s'asseoir. Ou déplacer, bien sûr. Hop, rouler de l'autre côté. Oups, sortir sa canne et passer. Voilà. L'idée était plus intéressante sur le papier, en vrai. Non mais c'est de la merde, hein. C'est vraiment de la merde, hein. C'est vraiment de la merde. Après, on a fait des JO sur Animal Crossing, on l'a fait deux fois avec les modos qui s'étaient grave chauffés à faire, bah, sur l'île de Kay, c'était à faire des îles en gros avec plein de mini-jeux et tout. Et franchement, la soirée était ouf, les mini-jeux étaient trop stylés. Et moi, en fait, j'avais pensé à une course, mais ça s'arrête ici, quoi. C'était trop cool, les JO. Ouais, franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. T'as surtout vu beaucoup trop grand. Ouais, mais c'est... Ouais, bah oui, parce qu'en fait, à la base, je voulais que le circuit, en fait, il aille jusque... Là. Et là, on tourne, boum. Et là, il termine là. Et boum, terminé. Voilà. T'as fait un dixième, t'es gentil, hein. Je pense que j'ai fait... J'ai rien fait du tout, hein. Par contre, elles sont magnifiques, ces mauvaises herbes. J'aime beaucoup. Ce style fluide, cette technique. Et je trouve que j'ai très peu de mauvaises herbes pour le temps. Pour le temps, ouais, sans jeu, j'ai peu de mauvaises herbes, quand même. Que fout cette bande d'arcade ici? C'est pour s'inscrire à la compète? Perche jaune. Est-ce que au mois de novembre, il y a des trucs que j'ai pas... Oh non, ma canne à pêche rose, elle était trop belle. Oh non, putain. Oh non, j'ai plus de... Je vais aller à la boutique. Attendez, on voit ce qu'il y a à la boutique. Peut-être qu'il y a une belle canne à pêche, peut-être. Oh, ça fait tellement longtemps. Et bonjour! Sois le bienvenu à la boutique, c'est un plaisir de t'arnaquer. J'ai entendu. Hein. C'est le contenu de notre vitrine qui t'intéresse, c'est l'offre du jour. Ah, canne à pêche poisson. What the fuck, tout ce qu'il y a? Chrono? Bah, j'achète moi ça. Hein. Canne à pêche poisson coûte 2500 balles. J'achète. Non, j'ai rien repéré d'autre, merci. C'est quoi ça? Un porte-kimono? Ah bah non, mais moi le kimono... Oui, il est toujours sur moi, donc... Allez, j'achète quand même. Allez, quand même.
C'est quoi ça? Elle est belle, hein? Horloge... Je l'ai pas déjà? 44 000? C'est extrêmement cher, j'achète. Ça, j'aime bien, ouais. La Wattie éponge. Attends, la Wattie éponge à 820 balles? J'achète. Bien sûr. C'est cadeau, quoi. T'as des nouveaux plans dans la vitrine. Oh, j'adore ça, par contre. Oh, j'en avais un, mais réel, hein, chez moi. Et genre, j'ai pas réussi à le maintenir en vie. Je l'ai toujours, je peux vous le montrer si vous voulez, mais j'ai pas réussi à le maintenir en vie. Genre, je l'ai tenu en vie pendant 6 mois, et là, ça fait un an, un peu plus d'un an... Non, un peu moins d'un an, pardon, qu'il est dead, et j'y arrive pas, quoi. J'en ai un depuis 2 ans. Ouais, franchement, c'est très étonnant. Bah, je vais vous montrer, mais genre, je sais pas pourquoi il est... Je comprends pas... Bon, ça fait... Ça, du coup, ça fait... Ça fait une ambiance un peu hiver, j'avoue. Enfin, automne-hiver, quoi. Comment t'arrives à faire mourir de la mousse? Mais je vous jure, pourtant, j'arrosais bien comme il fallait, ce qu'il fallait, etc. Et voilà, regardez. Voilà. Ambiance hiver, quoi. Il faut toujours que la mousse soit humide. Mais je vous jure, je le faisais toujours, tout le temps. J'enlevais ça, je mettais mes trucs. Genre, je sais pas comment ça a fait, hein. Ouais. Le mood est... Après, le mood est ok tiers. C'est-à-dire que c'est pas moche, mais c'est juste que je s'appelle Groot, quoi. Ouais, effectivement. C'est exactement ça, en vrai. C'est peut-être que c'est justement l'hiver. Ah ouais, non, mais... Oui, mais non, parce que là, c'est... Là pour lui, c'est l'hiver depuis un an. Hein. Donc, Non, en vrai, c'est compliqué, quoi. Déco d'Halloween. Bah, c'est pas moche, quoi, mais juste, je m'en veux un peu parce que je l'aimais beaucoup... Avec du verre, tu vois. Avec du verre, j'aimais bien. Ça s'appelle comment comme plante? Je ne sais même pas le nom de cette plante. J'ai oublié là où la personne qui l'a acheté me l'a offert. J'y étais allé justement pour prendre des conseils et tout. Et Kokedama, je ne sais pas si c'est ça. Kokedama. Ouais. Faudrait que je check. Note à toutes les fleurs, ne jamais acheter de plantes pour pompon. Mais non, c'est pas vrai, j'en ai plein d'autres, elles vont très bien. Je leur fais du bien tout le temps et tout. Genre, vraiment, je les adore, je leur parle. C'est un Kokedama. Cela se bassine toutes les 2 semaines pendant 20-25 minutes. Mais je faisais pas ça, moi. Moi, je faisais pas ça, tu vois. Montre. Oh, je vais pas vous montrer toutes mes plantes, quand même. Mais elles vont super bien. Hein. Tu leur fais du bien. Oui, je leur fais du bien. Bon, je vous en montre une, ok? Allez, une seule. Ok, une seule. Là, par exemple, en fait, je l'adore, mais j'ai du mal à maintenir toujours les pointes vertes, vertes, vertes. C'est-à-dire que elle va très bien. Franchement, elle va très, très bien. Il n'y a aucun souci et tout. Mais j'ai du mal à maintenir les pointes vertes tout le temps. Genre, il y a des fois, je sais pas, je pense que... Tu vois, genre là, regardez. Là, vous voyez, c'est un peu marron. Je sais pas trop. Il faut pas trop l'arroser, hein. Pas trop, trop. Normalement, c'est... À peu près tous les 10 jours, un peu. Mais je sais pas trop comment faire. Mais oui, elle est belle, cette petite plante. Voilà. Tu lui donnes pas assez d'eau. Hey, oui, ça dépend. Hein. Ça dépend. En fait, faut pas trop abuser non plus. Hein, non plus. Ouais. Toutes les 3 semaines en hiver, l'arrosage. En fait, c'est ce que je me dis. Est-ce que vous pensez pas que pendant l'hiver, je devrais arroser un peu moins? Parce que du coup, bah, c'est plus humide, il fait moins chaud et tout. Je pense que je vais faire ça pour celle-là. Ou alors la rempoter. Je suis fleuriste, c'est pas une blague, c'est quoi le souci? Non, c'est juste les pointes un peu marron qui me font peur des fois. Je me dis, mais what, qu'est-ce qu'elle fait et tout, tu vois. C'est ça le truc. Manque d'amour, c'est classique. Je vous déteste, je vous jure qu'il n'y a pas de manque d'amour. Change le nom du live, silence, ça pousse. Faut vaporiser, c'est trop sec chez toi. Ouais, faut peut-être brumatiser un petit peu, c'est vrai, ouais. Ah mais quoi qu'attendait l'hiver?
au final, l'hiver, effectivement, on chauffe l'appart. Tandis que l'été, on le chauffe pas, donc c'est peut-être même plus sec chez nous l'hiver, limite. Je sais pas. Ultia te dirait d'éviter le rempotage. Je sais pas. Je sais pas, mais elle va bien, hein. Enfin, vraiment, elle tient, hein. Regardez, il n'y a pas de souci. Elle est très heureuse, j'en ai d'autres. Mais voilà, on va pas faire le tour de l'ensemble des plantes de chez moi. Elle va très très bien. Et c'est marrant parce que... C'est marrant parce que j'en ai une. Si elle voit un peu trop le soleil, ça lui fait mal. Genre, faut la mettre un peu secrète dans un coin et tout. Et des fois, je la sors, tu vois, pour voir comment elle réagit et tout. Ah, le soleil, ça la met mal. Ça la met trop mal. C'est un vampire, mais de ouf. De ouf. La plante, c'est étoile. Attends, quoi, j'ai pas acheté? Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Si, j'ai acheté. Boule de mousse, oui. Ça, j'ai déjà. Et y'a quoi comme plan ici? C'est quoi les plans du coup? Le B.A.B.A. du bricolage, bricolage tous azimuts, brico folle dingo. C'est des plans de fou, c'est ça? Mais le B.A.B.A. moi j'ai déjà ça. Plan de piège, plan kit installation, Ah mais oui! C'est vrai que maintenant on peut mettre des échelles à des endroits qui resteront là et Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez. Lance-pierre, perche, échelle, piège. C'est quoi piège? Sers-toi d'une pelle pour le planter dans le sol et tada, le piège est prêt? Mais si, si, ça j'avais... Ah mais oui, si, j'ai déjà, non? Je le rachète au pire, mais... Je crois que je l'avais et même je voulais mettre des pièges dans le circuit MK, justement. Bien débuté en cuisine. Tu dois installer la mise à jour d'appli Création Plus pour acheter les recettes de cuisine. Ah, c'est ça le DLC du coup, que j'ai pas DL. Mais que j'ai, hein, mais je l'ai pas DL. D'accord, ok, bon c'est pas grave. De toute façon, on peut l'acheter tous les jours, j'imagine. Tu peux échanger cette mise à jour contre des Miles Snook. Quoi? Une fois que tu l'auras installé, nous te vendrons très volontiers. As-tu repéré autre chose? Attends, bon, on va aller voir. Ah, ok. Me suivez pas. À bientôt. C'est... T'as pas mis la mage... Si, je vous jure que j'ai mis la mise à jour, par contre. J'ai téléchargé une mise à jour. Mais là, ça doit être une fonction juste qu'il y a. Regardez ce drapeau magnifique. Oh, il y a du courrier. Chambé. Il y a Tom Nook. Je vous rappelle que Faustine croit toujours que je suis une hallucination. Hein. Je vous le rappelle quand même. Au cas où si vous l'aviez oublié. Ok. Quel service souhaites-tu utiliser? Échanger. Nook Shopping, utiliser le TAC, inviter campeur, se déconnecter. Votre échange, j'imagine. Ticket, kit coque personnalisable, guide insulaire. Qu'est-ce que c'est ça? Guide insulaire. Recette création. Ah, c'est ça, je crois. J'achète. Échanger. Ok, ouais, tu m'envoies l'appli, merci. Création plus. C'est combien le bateau ça va me coûter 1000 miles à peu près. Ok. On va garder quand même des thunes. Alors on va apprendre ça. 1000 par voyage, ok. Et du coup, par bateau, ça va m'amener sur une île, donc une expédition avec un nouveau biome, c'est ça? En gros.
C'est un voyage par jour, tu vas pas pouvoir spam parce que tu ne t'étais pas. Ok, d'accord. Et c'est pas forcément un nouveau biome. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon, on espère. Et est-ce que après en avion, je peux quand même choper le nouveau biome? Parce qu'en avion, c'est pas un par jour. J'ai souvenir qu'on spammait des fois. Peut-être se vider avant de partir en expédition quand même, parce que là on a plein de trucs. Des trucs qu'on a déjà, hein, mais ouais, on va faire ça. Faut que t'ailles voir Thibaut. Ouais, on va aller voir Thibaut avant de partir. Et moi j'ai envie de... J'ai envie vraiment d'aller dans une île avec un nouveau biome. Et j'ai envie de pêcher, de chasser là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, je pense pas... Le tambourin sera pas utile, je pense, pour la visite de tout ça. Je vais garder tous ces items. J'ai des appâts, c'est bien. Masque de plongée, combi de plongée, c'est bien aussi, au cas où, si on part à l'expédition. Un chapeau de bambou. J'entrepose. J'entrepose, je mets ça ici. Gâteau. On dirait un niveau de Mario Bros. Okay. Yes. Eh bah super, bah merci pour ces petits gâteaux. On va entreposer tout ça. En espérant qu'il y ait beaucoup de conservateurs, parce que ça risque de rester assez longtemps ici, je vais pas vous mentir. Ok, déplaçons ça là. Ok, bah voilà, bah ça on peut tout vendre parce qu'on a déjà... Parle bien du gâteau de ta maman. Non, mais il est... Il est mangeable. Tu vas tester le DLC payant aujourd'hui. Bah, en fait, le DLC c'est payant, apparemment, c'est que de la déco, donc je sais pas encore. On va voir. Je sais pas encore. Oh, ça alors! Je t'avais pas vu, Pompon! Je te prie de m'excuser si j'étais égaré dans mes pensées, vois-tu? Une question de tarot et... Oh, mais à bien y réfléchir, et ainsi qu'à l'accoutumée, tu tombes à pic pour me retirer une épine de la patte. Dommage que ça soit au papier, ça aurait été exceptionnel. En vrai. La rime aurait été parfaite. Vois-tu, je méditais aux divers moyens d'attirer des visiteurs quand l'idée d'ouvrir un café m'a frappé. Pas mal. J'ai alors essayé d'appeler Robusto, un vieil ami qui n'a pas son pareil pour les expressos bien tassés. Hélas, le vieux Robusto avait fermé boutique et pris le large sans laisser d'adresse. Par contre, alors même que je m'évertuais à retrouver sa trace, j'ai eu vent de la découverte d'un groupe de gyroïdes. Or, Robusto est totalement toqué de gyroïdes. Plus encore, je ne le suis de fossiles. Non. Je mettrai mes aigrettes à couper que Robusto a aussi entendu parler de ces gyroïdes. Bref, tu me vois venir avec mes grosses serres. J'aimerais que tu partes à la recherche de Robusto. Ok. Voilà une photo de mon ami Robusto. Quand tu l'auras trouvé, dis-lui de se rendre précipité à Pistil. De se précipiter à Pistil. Au fait, les gyroïdes en question se trouvent sur les îles parmi lesquelles Amiral organise ses tours de bateau. Je suis navré de te mettre ainsi à contribution, mais sache que j'apprécie ton aide à sa juste valeur. Allez, bonne chance. Ah ouais, mais du coup... Ouais, mais du coup... Ok, à tout moment, ça ne marche pas, quoi. Enfin, ça ne marche pas, ça... Je suis pas au bon endroit, quoi. Putain, ça fait longtemps que je suis pas allé là. Tu pourras pas trouver le nouveau biome, il faut d'abord que tu trouves Robusto. Ah mais Robusto, du coup, t'as une chance par jour de le trouver. Putain, les chaussures, bordel. Je peux pas retirer mes chaussures ?
Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? J'ai validé un truc, non? Ouah, tout ce qu'il y a. Ah, j'étais en full déguisement. Retire-moi ça. Ça. Et ça. Tic, tic, tic. C'est quoi des biomes? Des biomes, on va dire, c'est des ensembles d'environnement, que ça soit les animaux, que ça soit les plantes, etc. En fait, je sais même pas exactement. Je saurais pas définir biome. Putain, j'ai des trucs, hein. Un thème, un environnement donné, c'est ça. Genre là, on est dans un biome qui est un musée avec des zoos. C'est énorme. Et mais j'ai masse truc, en fait. Un écosystème. Ouais, un écosystème, ça se tient. Non. C'est pas comme ça qu'on pouvait avoir une vision globale? Comment on peut être l'aigle? Putain, je me rappelle pas. Ah, ici. Ah, il me manque des trucs, hein. Biome, un environnement biologique avec des espèces précises qui ne vivent que dans cet environnement donné. Oh, c'est propre. Ah, c'est là. Voilà. C'est très joli. J'ai dit ça au pif, je connais pas la vraie définition. Non, franchement, ça me semble propre, hein. Coucou. Pourquoi t'es à poil BG? Pour respecter un petit peu les mœurs de cet endroit, quoi. Toujours à poil. Bon, bah, au final, j'ai récupéré quand même beaucoup plus de trucs que ce que je pensais, hein. Beaucoup plus d'os. Enfin, de fossiles. Les papillons aussi, j'en ai plein. Les poissons, j'en ai plein. Mais attendez, on ira voir le musée plus tard, en fait. Parce que là, pourquoi je visite le musée? On a peut-être des trucs à aller chercher avant la visite du musée. Bah. Ça visite le musée. Ah super! Voilà que je me mets à voir des fantômes, ça perlote. Attends voir, t'as l'air drôlement souriant pour un spectre. Oh mais attends, mais c'est toi, Pompon! Mais t'étais passé où, gamin? J'imagine que ça doit être une longue histoire, hein, et tu t'en fous. Et t'as même pas enlevé tes chaussures. Eh bah super. Eh bah pas le meilleur des voisins, c'est moi qui vous le dis. Ah non, j'aurais pas dû aller. Il faut aller pêcher avant. Attendez. Pareil, j'ai bien complété ça normalement. En fait, j'aime bien la pêche, du coup. C'est un accès de secours, c'est quoi? J'ai bien complété tout ça. Attends, c'est censé être quoi, ça? Nous comptons sur vos donations pour enrichir le musée. Mais c'était quoi? Ah, mais ça doit être les trucs d'été, en fait. Dorado, ouais, le 19 juin. Un an qu'il est seul, lui. Oh, mais il est bien, il a de la place. Lui, il est au calme. Il est vraiment pas à plaindre. Regardez-moi ça. Pouah. C'est Pompon, hein, qui a pêché ça. C'est... It's me.
comptes refaire des visites d'île. Est-ce que ça a beaucoup évolué? Est-ce que vraiment les gens sont partis dans des délires loin? Parce que j'en ai vu beaucoup des îles. Hein. J'en ai vu énormément. Mais oui, je pense qu'il y a dû avoir des nouvelles idées, des trucs comme ça, ouais, je pense. Depuis le temps, je pense qu'il doit y avoir des masterclass. En vrai, il y en avait déjà. Hein. Oh, les gens ont tellement spammé le jeu qu'il y avait vraiment des trucs impressionnants. Il y a beaucoup de nouveaux meubles avec le DLC, je pense que ça va repartir comme en 2000. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles choses, c'est vrai. Non mais si, mon aquarium il est bien rempli quand même. Hein. Et ça c'est les trucs d'été en plus je crois. Il y a des meubles magnifiques, t'imagines même pas. Je visiterai des trucs... Mais moi, les trucs que je kiffais vraiment le plus, c'était quand je visitais des gens qui faisaient des multi-comptes sur leur île et du coup, qui personnalisaient plusieurs bâtiments. Et je me rappelle, on avait fait une visite où, en gros, il y a quelqu'un qui avait fait un hôpital, une école et d'autres trucs comme ça. Et c'était une... Moi, je trouvais ça absolument dingue. Tu nous dis, on remet le G-Doc pour accueillir les meilleurs masterclass. Ben on verra, pourquoi pas. Parce qu'il y a vraiment des trucs de fou des fois, il y a vraiment des idées incroyables, moi je sais même pas comment c'est possible. Hein. Ah oui, putain, Faut que je donne un truc. La personne qui avait fait l'île de l'horreur. Ah ouais, l'île de l'horreur était folle. C'est tellement long avec 8 maisons. Ouais, c'est très long, mais vu que maintenant le jeu est sorti depuis un an et demi, les gens, je pense, ont pu aussi avancer de ouf. Je pense. Ouais, franchement, pourquoi pas reprendre un petit peu les visites. Moi, j'avoue que en déco... En fait, la déco m'intéresse pas et je suis nul. Donc l'un dans l'autre, bon. Moi, je vais pas décorer des machins. Et c'est pour ça que le DLC, moi, je m'en fous un peu. Enfin, pas je m'en fous dans le sens c'est de la merde, mais je m'en fous dans le sens je vais pas spécialement y jouer au contenu qui a été ajouté par le DLC. C'est parce que le DLC, c'est en gros, c'est un truc de déco, quoi. Et moi, j'avoue, bon, la déco, c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis pas très bon... L'humour de Squeezie enterré, on s'en rappelle. Bien sûr. Alors, dis-moi un petit peu. Si la demoiselle... Ah mais oui, mais c'est vrai qu'ils osotaient, putain. Si la demoiselle partage son aspect coloré avec sa cousine, la libellule, elle est généralement plus menue. Mais ne te fie pas à ce côté flué. Elle partage aussi avec la libellule une nature prédatrice sans pitié. Rien ne lui plaît tant que de capturer une mousse en plein vol ou d'avaler une araignée... Ah, même la toile. Bref, je ne peux que te déconseiller d'inviter à dîner une convive aux manières aussi grossières. Et encore moins fiel qui est dans l'assiette. Oula. Je te remercie, pas de soucis. Attends, libellule demoiselle? C'est ça, hein? Checker à quoi ça ressemble. Libellule... Demoiselle bleue. Oh. Passion animale et végétale. Pour Carole. Merci Carole. C'est pour toi cette petite vidéo, Carole. Voilà. C'est pour Carole, quoi. Si bizarre ce corps en longueur comme ça. Oh, elle a son flow quand même. Hein. C'est tellement ignoble, ces bêtes. Ouais, je crois qu'il y a des gens qui sont... Il n'y a pas des gens qui ont une phobie des libellules, comme certains ont une phobie des araignées ou quoi, qui ont vraiment peur de ça, je crois. Moi, j'avoue... Non, rien. Moi, j'avoue, je dirais pas que ça me fait peur, mais une libellule qui me fonce dessus, en général... Ah ! Après, ça va.
En vrai, ça va. Ah putain, mais c'était quand déjà? Mais oui, quand on était allé faire du canoë cet été avec Ultia notamment, on vous avait raconté toute l'histoire et tout, il y avait une libellule qui se posait sur nous et qui passait de canoë en canoë. C'était une dinguerie. Et genre, elle se posait à côté de nous, sur notre épaule, et elle passait, boum, boum, de bateau en bateau, avec nous, et elle est restée genre 10 minutes avec nous. Ouais. Ouais. Vous étiez son moyen de transport. Ouais, franchement, elle faisait sa petite pause au calme. Je me suis fait mordre par une libellule une fois. Quoi ? C'est super douloureux, une libellule. Ah ouais ? Tu veux dire que quand elle était posée sur mon épaule, elle aurait pu me... Allez. Lâche-toi. Il est refait avec son petit bout de bâton à côté, ça me fume. Nya, nya, nya. Par contre, il en a rien à foutre de moi. Oh. Elle fait... Attends, mais elle fait de la muscu. Encore toi, mais bah décidément, cette ville, elle est trop petite pour nous deux, cowboy. Viser l'ami le slow avec un yukata de kabuki, c'est drôlement moulant, dis donc. Moi, je dis, ton style bénéficierait d'un chapeau melon à ruban genre... celui-là. What? Oh, merci. C'est pour toi, tiens. Ouais, fais pas ton timide, on est entre nous, c'est charmé. C'est charmé de ouf. Putain, mais attendez, j'ai plus les fleurs que je voulais. Ah si, j'ai toujours les fleurs. Attends, reviens. J'ai un truc pour toi. T'en veux encore? T'en peux plus te passer de cette vieille fastine. Tu peux plus te passer de cette vieille fastina. Tiens, je t'offre un truc. Non, mais c'est quoi, c'est charmé? Ce sont des jacinthes rouges. Une jacinthe rouge. Faut avoir la patte verte pour obtenir un résultat pareil, c'est splendide. Tu sais que mon cœur fond dès que je vois une fleurette, hein. Merci, elle serait entre de bonnes pattes. Charmé, quoi. Rare moment de Faustine heureuse avec quelqu'un. Eh. Hey. Et voilà, je ne suis plus un fantôme à ses yeux. Bon, allez, on y va. Ah non, il fallait que je me vide avant, putain, attendez. Classique, hein. Classique. C'est vrai, il m'a offert quoi comme chapeau ? Ah mais oui, c'est vrai. C'est des ensembles... Ça m'a toujours saoulé. En fait, c'est des ensembles de tenues que j'ai. Du coup, je peux pas enlever un truc. Il faut que je me mette à poil, quoi. Pour tester. Ok. Surpris. Surpris. Un petit flow à la reine d'Angleterre, j'avoue. Très surpris. Bon. On va lui faire plaisir, on va aller la voir. On va lui dire que ça lui fait plaisir. Mets ton yukata en tenue normale, pas dans la baguette, et tu seras mieux, je pense. Bah ouais, en fait, c'est ça. Mais le truc, c'est que je les ai pas sur moi, je crois.
Non. Qu'est-ce que je fous là? Ah oui! Sois le bienvenu! Qu'est-ce qui t'amène? Alors! Oni Peach, bienvenue. Merci Disco Samurai pour les 2 ans aussi. Et merci pour tous les subs et les resubs aussi qu'il y a eu. Merci à vous. Ponce va acheter la robe Princess Peach dans le Nook Shopping. T'es pas sérieux? Attends. Y'a vraiment ça? Attendez, je vends. C'est quoi ça? Coiffe corne de Diablo. Ah non, ça c'est mes habits de... d'Halloween. Combien? 7000 balles. Allez. Allez. 7000 balles et je m'ouvre une banane. Allez. Allez, je suis chaud. Allez. Gotcha. Je pense vraiment que la banane, c'est dans le top 3 des meilleurs fruits all time. À n'importe quel moment. Trop bon les bananes. Ouais, trop bon pour la santé, trop tout ce que vous voulez. Franchement, c'est une dinguerie la banane. Avant le sport, après le sport, quand t'as un petit creux, quand t'as un grand creux, en dessert, en apéro, sous forme de salade, seul, accompagné. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger de banane. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent effectivement que ça a le goût genre de médicament. C'est vrai. Je suis pas d'accord, mais... les goûts, quoi. Les goûts. Je dépose. Photo de Robusto. Ah mais oui! Excuse me, Robusto. Il a un flow quand même, hein. Ça, je garde aussi, mais... Les médicaments goût banane, envie de crever. Bon, en général, les trucs goût banane, banane fake, c'est pas ouf. Quoique les bonbons banane, tu sais, les bonbons Haribo banane, goût banane, moi j'aime bien, mais ça a pas du tout le goût de la banane, quoi. Hein. Ceci est un cassettophone pour faire de l'aérobic en groupe. Pas maintenant, s'il vous plaît. Merci. Je suis diabétique de type 1 et apparemment la banane serait un des meilleurs sucres lents, donc très cool. Ouais. Non mais banane, moi je recommande vraiment, hein, banane c'est... banane. Vraiment go banane quoi. T'es beau Ponce. Hé hey, chaud, je t'avais pas vu. Merci pour le prime frérot, merci beaucoup. Oh, chaud qu'a été une rencontre de fou pendant The Event. Vraiment. Trop cool. C'était trop cool. Quel service souhaites-tu utiliser? Ah oui, alors attendez. Attendez. Il fallait que j'achète quoi déjà? Attends, c'était quoi déjà? C'était... le truc de Peach. Produit... ah. Pas ici dans le Nook Shopping. Mais je suis pas dans le Nook Shop là. Attendez. Quel service? Nook Shopping. Ah, Nook Shopping, c'est bon. GGG. Ok. Ok, 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 ok. Contient des articles de mode déjà obtenus. Non. Brouette cabinet. Alors. Masque chirurgical. Mais oui, putain, c'est vrai qu'il y a ça pour mon circuit. Attendez. Attendez, juste un instant. Combien pour 3500? Bien sûr.
Ah mais oui, mais je le recevrai livré chez toi très bientôt. Bon bah c'est super hâte de le recevoir. Oh la dingue. 12 000 balles. 12 000. Oh, let's go. Putain, mais comment ça, c'est si cher? C'est du plastoc. C'est du plastoc, non? Oh, j'adore. Et le dernier item. Et après, c'est full, je crois. Je crois que c'est 5 items max, non? C'est ça. Les commandes sont limitées à 5 articles par client et par jour. Moi, je suis un gros client, vraiment. Très, très gros. Très, très gros. Se déconnecter. Tu recevras ta robe que demain. Ouais, je sais. Mais j'irai visiter des îles en robe, je pense. Comme ça, je serai tranquille. Comptes-tu acheter le DLC? Alors, en fait, moi, j'ai déjà le DLC, parce qu'en fait, le DLC, c'est un DLC qui est payant. Mais vous pouvez avoir accès au DLC si vous avez le nouveau Switch Online Plus, je sais pas quoi, etc. Et en fait, moi, j'ai fait ça. Donc, au lieu de 20€ l'année, c'est 40€ l'année. Et vous avez accès à quelques trucs. J'allais dire pas mal de trucs, mais en vrai, non, c'est un peu de la dope pour le moment. C'est N64 et Sega en console virtuelle. Et notamment le DLC Animal Crossing, voilà. Bon, monsieur. Par les grandes et les petites marées, gros, se connaît, oh. Je crois pas, hein. Si tu veux mon avis. Amiral, pour te servir, gros. À qui ai-je l'honneur, papa? C'est un chouette nom pour un bulot. Je suis là pour amener les gens sur des petites îles en échange de quelques miles. J'ai fait un petit peu mes dents dans le vieux port de Marseille. Aujourd'hui, ça va mieux, gros. Tu pourrais même trouver des trucs rares, hein. Et y'a qu'avec mon rafio que t'atteindras des îles que je propose, hein. On part quand tu le décides, repasse me voir et je hisserai les voiles pour toi. À go. Alors, on va faire un tour. Je te fais voyager 1000 balles, gros. Vas-y. Je fais un virement là. Mettons les voiles. Grimpe à bord, tiens bon la barre. J'ai la ref. Ok, bah écoutez, on prend le bateau pour la première fois. On pense tous que les naufrages... Crois-le ou pas, mais j'étais un sacré dur à cuire dans... Pas s'empêcher de chanter. Pourquoi? Oh mais non, mais c'est un biome que je connais, je suis deg. Y'a R, nous y voilà. Oh, c'est ta première balade avec moi. En gros, ce que je fais, c'est un peu comme une balade en avion. Je vais donc t'épargner les explications qui te barbera à coup sûr. Je reste avec mon rafio. Eh, si jamais y'a besoin, eh, tu me dis, gros. Oh, je suis deg, j'ai déjà tout ici, hein. Oh, excuse-nous, bro. Excuse-nous. Qu'est-ce qu'il fait, bro? Oh. Oh la merde. Oh la grosse merde. Oui, c'est robusto, hein. J'avais bien capté que c'était robusto. Hein.
on avait capté que c'était Ravista. OMG, parle-lui. Ah, Robusto ? Vous en faites pas, on va y aller. Mais Pompon est timide. Pompon est très timide. Pompon est timide, il met un peu de temps en général. Un petit peu de pêche avant de se mettre. Oh, belle ! C'est un saumon ? Un saumon, Mazou ? Je crois avoir vu un saumon quelque part. Mazou ? Ils sont chauds quand même. Ils sont vraiment très très chauds. Ah merde. Attendez. Maintenant. Oh, elle est belle cette ligne. Oh ! Oh, le saumon Mazou. Le saumon Mazou, ça me détruit. Quoi ? Ça met bien, ça met bien. J'ai beaucoup de miles. Dire que moi je vais pas le drop avant facile un mois vu ma chance. Robusto ? Non mais je pense que Robusto, tout le monde l'a du premier coup, non ? Je pense que... Alors je me trompe peut-être, mais à mon avis c'est fait pour quoi ? Tu fais une expédition, boum, tu l'as et terminé, bonsoir, hein, je pense. C'est first try, oui voilà, c'est ça. Sinon c'est l'enfer, t'imagines ? Merde la stratégie. Oh la merde. Oh là 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 là, j'avais oublié ma stratégie du trou. Pour les professionnels. Perso, ça m'a pas lancé la quête Robusto. Il faut parler à Thibou. Oh bro. Un peu de zeb planqué là. Planque ça là, boum. C'est un classique. Hein. Ok, je vais refaire juste la strat vite fait. Je prends ça, je creuse là. Là, je suis inarrêtable. 1, 2, 3, 4, 5. De l'or maintenant. Ok, y a pas d'or. On rebouche quand même, on n'est pas chez nous, je vous le rappelle. Hop. Hop, on va aller voir Robusto, bien sûr. Juste avant d'aller voir Robusto, on va s'habiller. Non. Pardon. Je me mets comment ? Un petit champêtre. Maman ! Pompon la bicrave. Frère, on scred. On scred, frère. Hey, Robusto. Hey, Robusto, viens là. À vous ! Toi aussi, tu recherches les Gerroids. Tout à fait. J'espère que tu trouveras les Gerroids. Eh, hey, tu veux pas un petit truc ou quoi ? Vous, tu as besoin de quelque chose. Est-ce que Robusto, ça vous parle, monsieur ? Robusto, il est en face de toi. Et puis-je savoir ce que tu me veux? Mec, ne prends pas. Thibaut m'a chargé de... Tu veux tout savoir? En fait, j'ai peur que ça fasse un petit peu... J'ai peur que ça fasse une The Witcher 3, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à tout moment, je réponds si tu veux tout savoir et en fait, Thibaut meurt, quoi. C'est ça qui est chaud.
Je vais faire une The Witcher 3 là, je pense. Je vais Je vais lui expliquer, je vais tout lui dire. Je le dis tout. Je vois. Entendio. Non, on dit entendu. Entendio. Non, on dit entendu. 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 Allez. Si tu veux bien le dire, ça sera ma part. Oh, j'allais oublier. Si ça t'intéresse, je te donne le fragment des Jiwarid. Plante-le dans le sol et rose-le. Et le lendemain, une magnifique spécimen repousse. Le Jiwarid prend rapidement racine. Une fois qu'il soigne vos terres. Et sur ce, à le river. D'accord. Ok. À le revoyant, mec. Et attendez. Attendez, je suis en bicrave là. Je suis en bicrave. Hop, je me mets en plongée, hop. Je me mets en plongée, hop. Je suis chaud pour plonger là, non? Ah. Propre! Oh, la bombe est propre. Qu'ils sont foutus ici? C'est une huître. Oh quoi? J'en avais des huîtres? J'avais des huîtres, moi. Non? Non, je crois pas, hein. Pam 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 pum pum. Une huître plus 4, ça fait 12. Ah, j'ai pas relevé la vanne, mais elle était plutôt très bonne, effectivement. Merde. Là, pompon. Ouais, là. Maintenant. Attends. C'est là? C'est depuis l'été dernier, hein, qu'on peut plonger, c'est ça? Parce que j'avais déjà... Mais attends, mais... Viens là. Ça va super vite. Pas dernier du coup, oui c'est vrai. Mais attends, mais comment je peux choper ça? Ah d'accord, j'ai juste à aller dessus. Ah mais d'accord, mais il allait vite. Le crabe Gazami. Ce gars-là est ton ami. Allez. Allez, ça farme au calme. Oh non, tu vas pas me la faire aussi, hein. Oh, ça j'ai. Starry. Ça j'ai. Tombe de ciel. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir. J'ai rien à récup ici, de toute façon. J'ai rien à récup. Et par contre, si on peut pas avoir le nouveau biome... Ah, des algues, super. Du wakame. C'est du wakame Léon. Je prends ça.
Tu peux cuisiner avec, avec le wakame. Alors. Hop, on va se replacer tranquille. Apparemment, il y a des gyroïdes sur l'île. Alors, où sont les gyroïdes sur l'île? Comment voyez-vous qu'il y a des gyroïdes sur l'île? Comment êtes-vous au courant? Faut creuser. De manière random? Comme pour les fossiles. Ouais, mais il y a des... Les fossiles, il y a des croix. Alors, où est-ce qu'il y a des croix, du coup? Ah bah. Ah bah. Ah bah voilà. T'as déterré un fragment de gyroïde? C'est lourd, ça. Oh non! Comment on fait l'appel, déjà? Il faut du fer et du bois. Ah mais il fallait pas 5 de bois? 5 de bois et 2 de fer? Ah mais non, il faut l'appel Rudy. Ah mais c'est du bois dur. Sur du bois dur, je fais des pompes de traction. Et pour faire du bois, comment je fais du bois dur déjà? Ah mais non, il faut que je coupe avec ma hache, oui c'est vrai. Ok. Mais ça, ça va tout casser, non? Oh! Ah bah là, ouais, c'est chaud. Par contre, là, c'est chaud. Il aurait fallu plutôt une... Une hache en pierre, quoi. En tout cas, c'est hardcore ce qu'on est en train de faire. Mais la hache en pierre est là, en fait. Voilà, voilà. Et puis là, on se met bien en plus. Hop, hop, hop. Et j'ai chopé un truc en plus. Merde. La déforestation. C'est un peu hardcore. Hein. Après, on la reverra jamais, cette île. Mais il vient pas avec moi, d'ailleurs, lui. Pourquoi il vient pas, mon pote? Avec moi. C'est pas grave de défoncer les îles aléatoires, non. Dans l'idée, non. Après, c'est quand même chaud, quoi. C'est pas chez toi, t'arrives, tu casses un peu tout, c'est pas top, tu vois. Ok, donc, je fais ça. Chaud, pompon, très très chaud, pompon. Tu pourrais te changer, mec, hein. T'es plus dans l'eau, hein. Je fais ça. Regardez Pompon comme il fait peur comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres croix pour choper justement des gyroïdes? D'ailleurs, pourquoi je veux faire des... Pourquoi je veux des gyroïdes en fait? Il n'y en a plus. Est-ce que c'est cool? Ok. Est-ce que c'est stylé? Ok. En vrai, ça me va. Bonne réponse. Ça, non, mais ça me va. Hein? Je peux rentrer, s'il vous plaît? Hein? On quitte la terre ferme, direction piste-île? Oublie pas que ce que tu laisses ici, c'est pour les poissons. T'as toutes tes affaires? Oui. Alors, on rentre! Grippe à bord! Et vogue la galère!
La journée était bonne ? Ouais. Ma petite fille chérie sait que j'ai peur du noir. Elle me rassure quand je fais des cauchemars. Des cauchemars. Incroyable. Il a parlé qu'une fois à Robusto. Ouais, mais je lui ai dit de venir. Mais Robusto, il vient normalement. Normalement. Putain, j'ai mis mes... Oh, vous savez ce que je viens de faire ? Je viens de mettre mes doigts comme quand je fais les speedrun Breath of the Wild pour courir sans utiliser d'énergie. Voilà. C'est une cata. Mais tranquille. Tout va bien. Pas du tout ravagé, moi. Putain. Mec. Te tourne pas, s'il te plaît, maintenant. Tu l'avoues. Ah ! Ça va être un requin d'eau douce. Un bar. Non ! Ça fait tellement longtemps ! Mais non ! Pompon, où es-tu passé ? Sans toi, le temps me semblait bien long, tu sais. Mais maintenant, tu es là et on va pouvoir rattraper les temps perdus. Bah oui, mais pars pas du coup. Bah, Garance. Bah. Oui, Pepec. Tiens, c'est pour toi. Attendez, j'ai rien à lui offrir. C'est pour moi, vraiment. Une étoile de mer. Tiens. Oh, chef, j'ai toujours voulu posséder ma propre étoile de mer à moi. Merci infiniment. Ce qui me plaît le plus, c'est l'énergie apaisante qu'elle émet, quelle merveille. C'est mon tour maintenant. Tiens, un par-dessus. Un par-dessus, ok. Salut Ponce, est-ce que tu regardes tes DM Insta? Je t'ai envoyé un DM hier assez important, je voulais savoir si tu les lisais. Alors oui, je lis absolument tous les DM. Après, c'est impossible de répondre à tout le monde, c'est vraiment impossible. Si c'est vraiment important, de type professionnel et tout, bah tu m'envoies un mail. Ce sera le plus simple. Un mail. Ce sera le mieux, hein. Si c'est important, les mails... Allez! C'est le manteau du mec en camion devant l'école maternelle, ça. Eh oh, c'est Pompon, hein! Merci, Wizéo. Oh! C'est Pompon, hein! Se calme! Si fou, là. Attends. Pompon le prédateur sexuel, non mais ça va pas la tête. Regardez-le. Ah voilà, c'est là. Et Pompon le prédateur, rien du tout. Yes. Le retour de Pompon, enfin. Je pense que je vais reprendre Animal Crossing de temps à autre pour des visites. Voilà. En naze. Pompon n'a aucune autre vis que celle dans la boîte à outils. Très chaud. Très très chaud. Ok. Je viens d'arriver. Est-ce que t'as pris le DLC? Alors j'ai le DLC parce que j'ai l'abonnement online, mais j'ai pas encore testé le DLC qui est un DLC déco. Je crois qu'en gros le DLC pour vulgairement résumer le truc, il me semble que c'est juste... Enfin, juste. Ce sont des quêtes de décoration, en gros.
Moi, j'avoue que la déco, je pense, c'est ce que j'aime. Enfin, ce qui me chauffe le moins dans le jeu. Alors, j'adore visiter et voir des trucs. Par contre, moi, décorer, j'aime beaucoup moins. J'avoue. Hop. Hop. Pourtant, t'es chaud en déco. Ah, après, c'est vrai que je suis pourtant plutôt chaud en déco, mais bon. On rappelle qu'il avait demandé de l'aide à Valérie D'Amido pour décorer sa maison. Oui, elle m'avait répondu, elle avait chiné une Switch de la part de Nintendo. Nintendo lui avait envoyé une Switch et j'ai jamais eu de nouvelles de Valérie. Même elle, elle a give up, bah, je sais pas. Hein. Ouais. C'est gavé, hein. Bien joué, elle. On a rien pu faire. Oh, oh. Oh, c'est une super journée. Hop. 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 Allez. Hop, et voilà. Ah voilà, c'est ça. Pourquoi tu creuses un trou derrière toi avant de taper? C'est, en gros, c'est pour pas reculer. Parce qu'en fait, les coups de pelle dans la pierre te font reculer. Et en fait, t'as un certain temps à partir du premier coup pour casser la pierre. Et donc du coup, si tu recules une ou deux fois et que tu dois réavancer pour retaper, grosso modo, tu vas pas pouvoir taper autant de fois que possible. Et donc t'auras pas le maximum d'items. Voilà. Ouais, voilà, c'est un peu... C'est de l'opti pur, quoi. C'est, Boum. Ouh. Ah, c'est pas vrai, excuse-moi. Comment se passe ta quête pour retrouver un certain volatile qui a un grain... de café? Bon, si ce n'est pas assez clair, je veux parler de Robusto. Ah. Venez, venez, on parle comme si c'était codé. Le grain est moulu. Je dirais même plus. Ouh, quelle bonne nouvelle, je t'écoute. Qu'a-t-il répondu? Il a dit entendu. Enfin non, il a pas dit entendu, il a dit entendu. Oh, je suis transporté de joie, quel soulagement. Robusto est aussi concis que digne de confiance. Il devrait donc venir ici sans délai. Et donc, pour moi, cela signifie que... Oh, je dois immédiatement organiser son arrivée ici. Je n'ai d'autre choix que de fermer le musée aux visiteurs de demain, le temps de terminer la construction. Si tout se passe comme prévu, après demain, le musée rouvrira avec, en sus, un café. J'ose espérer que tu viendras nous rendre une petite visite à l'ouverture. Des bisous, t'es dyslexique, des bisous. Donc du coup, deux jours. On va expertiser à balle. Alors, y'a de la nouveauté ou pas? J'aperçois ici de quoi étoffer notre catalogue. C'est beau et rare à la fois, tu sembles avoir un réel don pour dénicher les fossiles. Bon, j'espère maintenant que ta générosité sera à la hauteur de la grandeur de notre établissement. Le développement culturel de notre île est une cause dont il convient de ne pas sous-estimer l'importance. Je ne veux pas te forcer la patte, aussi je te rends tes trouvailles, mais le musée compte sur toi. Sous-entendu, tu donnes pas tes merdes. Voilà. Bah du coup, je vais te donner tout. Oh, la queue de Parasaurolophus. Et quoi? Oh, la queue de Parasaurolophus. Bon, bah, deux fois. Bon, bah, du coup, j'en garde un pour le vendre. Est-ce la berlue? Une queue de Parasaurolophus. Une queue de... En excellente condition, mais quelle aubaine. Je présume que tu souhaites un bref exposé à son sujet. Ah, oh bah alors là, j'attendais que ça.
C'est merveilleux, c'est formidable. N'aie crainte, il s'agit là d'un sujet que je connais sur le bout des plumes. Donc, nous disions... Alors... Le ou comme j'aime l'appeler, la bête aux éclats dorés. Regarde l'os creux de près d'un mètre sur son crâne. Quelle belle caisse de résonance ça devrait faire. C'est à cause de cet appendice de mélomane que j'aime le voir comme le ténor du Crétacé. Il parle si bien, ouais, il est trop fort. Il est trop fort, je l'aime trop, sérieux. Et voilà un résumé succinct de ce qu'il y a à dire sur le sujet. J'ai maintenant le plaisir d'accepter ton vénéreux don. Vivement que le squelette entier soit reconstitué afin que nous l'explosions. Vous allez l'exploser ? Non, que nous l'exposions. Ah, vous allez l'exposer. C'est ça. Que nous l'exposions dans toute sa majestueuse beauté. D'accord. Merci pour tout. T'as besoin d'aide ? Tiens, je te donne un truc. Oh, c'est formidable. Qu'est-ce que tu veux me donner ? Putain, mais j'avoue. Le crabe Gazami.